Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du succès où il faut prendre les 5 boules, donc je sais plus comment il s'appelle. Donc du coup là je vous montre qu'il faut aller vers Mastos, donc en gros il faut repérer la bouteille de mastodonte cassé qu'il y a sur une des... Donc là je vous dis non, là-bas je vous ai dit oui. Donc en gros il faut repérer Mastos pour avoir mastodonte vraiment dès le début, comme ça au moins Me c'est plus force facile. pas à te cogner. Donc du coup je vais vous aider ouais, pour le succès où il faut prendre les 5 bubblegum que nous avons. Donc là, je vais prendre le premier. Une boule de gomme. Et Pour moi, donc voilà, pour donc les je sais pas miens. ce que c'est. C'est l'arme de joie. Bon, pas très intéressant en solo. Ça va de soi, Allez. vu qu'on peut pas Si vous parlez du combat, mourir totalement. il respirait encore aux dernières nouvelles. Alors par contre, moi je les ai eu d'affilée. Donc vraiment un par un quoi. C'est pas genre j'ai eu le premier, j'ai eu celui du milieu. Non, j'ai eu le premier, le deuxième, le J'ai un troisième, le mauvais quatrième, le cinquième. pressentiment. Bon. Je sais pas si ça fait ça à toutes les parties ou pas, mais en tout cas moi ça s'est passé comme ça. Après, si ça se passe comme ça pour toutes les parties, on pourrait trouver des stratégies, savoir lequel qu'on va prendre en premier, lequel on va... Vous voyez là le deuxième, hop. Et c'est pas j'ai fait ma partie, puis après je suis allé mettre les bonbons dans l'ordre. Hein. Non, c'est vraiment, j'ai commencé cette partie avec les bonbons comme ça. Voilà. Alors le succès, comment il s'appelle ça, je sais plus, je vais essayer de voir. Je sais plus. Voilà. J'espère que je vais bah, pas je sais pas du tout comment il s'appelle. De toute façon, je peux pas aller voir parce que sinon après bah, ça arrête la vidéo chez le démon. Donc voilà, je peux rien faire. Bah, c'est pas grave, de toute façon il sera en titre. C'est après. Bon. Là, je suis en train de chercher où est parti la truc de Bubblegum. Seulement, je me suis dit, à mon avis, je pense que elle peut apparaître que à des endroits où on a déjà ouvert. Donc, du coup, je suis allé là-bas où j'ai déjà ouvert. Voilà. Ça c'est un succès, c'est le genre de succès que j'aime bien moi, ils sont assez simples à faire, ça passe bien. C'est parti. Le distributeur, il n'était pas là quand toute cette folie a commencé. Hop là. Vous voyez bien, j'ai vraiment eu 1, 2, 3, 4 quoi, c'est vraiment un par un, c'est même pas, voilà quoi, c'est à la suite quoi, c'est un truc de fou. Alors là, c'est un peu équivalent au PhD Flopper, on l'a pendant 3 manches. Ça, c'est pas mal, ça. Tu sens la merde grillée. En facile, c'est pas mal. Et maintenant, je vais avoir le dernier. Alors, par contre, une fois que vous avez le dernier, faut pas vous prenez le dernier et vous avez le succès. Hein. Ça, non, ça n'arrive pas. En fait, ce qu'il faut, c'est manger ce bonbon. Donc, des fois, il y a des conditions. Par exemple, pour le bonbon bleu, je suis d'avant, là. Eh ben, il faut... il faut attendre 3 manches. Et une fois que ces 3 manches sont finies, et ben là vous aurez le succès. Et donc en gros pour là, pour celui-là comme bonbon, il faut mourir. C'est ça le problème. Donc si vous êtes en solo, c'est pas possible de pouvoir avoir le succès. Enfin je crois. Hein. Je crois que normalement c'est pas possible de l'avoir. Après vous pouvez toujours essayer, mais essayez de vraiment de mettre à la limite en dernier bonbon un bonbon qui est facile à avoir. Par exemple. Où vous appuyez la flèche du haut et là et ben ça fait ça vous met invisible face aux zombies. Voilà, donc faut vraiment essayer de faire ça. Donc du coup bah moi je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà, j'ai fini pour le moment et donc du coup bah bonne journée, bonne soirée, ciao.